Bonsoir à tous et à toutes, à ceux qui sont dans la salle et puis à ceux qui nous suivent au dehors via la vidéo. Vous êtes quelques 400 à nous suivre à partir d'une cinquantaine de pays pour cette rencontre avec Lilia Hassen, que j'ai le plaisir de vous présenter, autrice de deux romans. En 2017, un premier roman, L'œil du Pan, et puis en 2021, c'est-à-dire l'année dernière, un second, Soleil amer. Lilia est née en 1991, je le dis parce que c'est marqué au dos de ces deux livres, donc ce n'est pas vraiment un secret. Elle a fait des études de lettres, elle est passée par une excellente formation de journaliste, l'Institut français de presse, dont elle est sortie major, et ensuite elle a travaillé pour Quotidien, mais aussi Quotidien écrit, Le Monde en particulier, mais aussi pour l'émission Quotidien chez TMC depuis 2017. Peut-être ma première question pour faire connaissance et puis voir un petit peu vos centres d'intérêt, vous qui avez fait des études de lettres, vos maîtres, vos phares, vous avez des écrivains qui sont un petit peu emblématiques pour vous? C'est beaucoup les poètes. Je lis beaucoup de poésie. Apollinaire, que je cite souvent, que j'ai beaucoup étudié en prépa et que j'aime beaucoup. Et puis l'avantage de la poésie, c'est que quand on écrit, ça pollue pas. C'est-à-dire qu'on n'est pas imprégné par une autre écriture. C'est vraiment l'avantage des poèmes, c'est que c'est un univers, une imagination particulière. Moi, j'aime beaucoup la poésie, même en prose. Donc voilà, j'ai beaucoup de poésie, surtout quand j'écris. Sinon, j'aime beaucoup Pessoa. Le livre de l'intranquillité, c'est quand même magnifique. J'aime bien les écrivains angoissés, je crois que... On écrit tous pour des raisons différentes. Moi, je pense que c'était aussi pour calmer pas mal d'angoisse, etc. Donc j'aime bien, voilà, même Césarée Pavèze, qui a écrit Le métier de vivre, c'est des aphorismes, c'est très beau. Donc j'aime bien, voilà, quand... en fait, ça dépend un peu de l'humeur, mais... Ça, c'est vos lectures d'adultes, les lectures adolescentes, par exemple, ça se tournait vers qui? La poésie déjà, ou... Moi, j'aimais bien les romantiques quand j'étais adolescente, donc je lisais beaucoup de Musset. Musset, ou les romantiques allemands, Goethe. C'est pareil, Goethe a mal fini. En tout cas, les auteurs, les personnages de Goethe finissent très mal. Mais j'aimais bien le romantisme allemand. Et la lectrice de Goethe et des romantiques écrivait elle-même des textes? Elle essayait déjà à l'écriture ou pas? Elle essayait. Ouais. J'étais pas très contente de moi. C'était quoi? Quand on est adolescent, la poésie un petit peu, mais j'étais pas très très douée. De toute façon, c'est très difficile de se juger quand on écrit. Je sais pas si certains écrivent ici, mais c'est très compliqué d'avoir confiance en soi. Moi, je trouvais que c'était un peu pédant,
qu'il fallait être sacrément sûr de soi pour se lancer dans l'écriture, surtout quand on aime lire et quand on a des grands maîtres en littérature. Mmh. Et moi, je lisais beaucoup, donc ça me paraissait inaccessible. Mais à force de lire, on a envie d'essayer, on a envie d'écrire aussi des livres qu'on a envie de lire. Donc peu à peu, on se crée des personnages, une histoire, on s'y accroche, on a envie d'y retourner. Et puis en fait, on se fait son propre film dans la tête. Et donc voilà, on s'invente une histoire qui continue, on y retourne. À chaque vacances, j'avais envie d'y revenir. Donc, à quel moment les choses sérieuses, j'allais dire, ont commencé l'écriture en se disant « bon, ça ne va pas rester dans mes tiroirs, je vais peut-être l'envoyer à un éditeur », c'est à quel moment? C'est très peu avant de l'avoir publié ou c'est... Moi, je crois que l'école a joué quand même un grand rôle. Mmh. C'est-à-dire que j'avais quand même des bonnes notes en rédaction, ce qui aide à avoir confiance. Mmh. Et je crois que le fait d'avoir des commentaires de mes professeurs de français, qui me disaient que, voilà, que j'écrivais bien, à force de l'entendre aussi, je pense que c'est important d'être encouragé parce que c'est comme ça aussi que j'ai pris confiance. Je me suis dit, bon, bah, s'ils trouvent que j'écris bien, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Après, l'écriture de fiction, c'est toujours un peu différent. Et puis un jour, c'est vraiment une rencontre avec mon opticien. C'était un personnage de roman et j'ai commencé à écrire quelques lignes que j'ai envoyées à mes parents. Ça les a fait rire. Et j'avais déjà écrit un texte, j'avais travaillé comme serveuse l'été dans une brasserie, j'avais raconté mon expérience de serveuse que j'avais publié sur un blog du Monde et qui avait été vraiment beaucoup lu. En fait, à force d'être lu, d'aimer faire rire, moi c'était marrant, c'était beaucoup par l'humour, hein. Mes deux livres ne sont pas très drôles, mais mes premiers écrits étaient assez drôles. Et donc, je voyais les réactions de mon entourage qui me poussaient à écrire la suite souvent, notamment cette expérience de serveuse, ça s'appelait 40 jours dans la peau d'une serveuse, j'avais raconté quelques jours. Et normalement, il devait y avoir une suite. Et tous mes amis m'avaient dit, mais on veut la suite. J'avais laissé tomber parce que j'avais pas envie de commencer par un premier roman sur mon travail de serveuse à l'époque. Et donc voilà, j'avais travaillé deux étés et c'était formidable parce que je voyais des gens de différents milieux. Enfin, vraiment, être serveur, c'est formidable pour ça. Il y avait plein d'histoires, il y avait plein de... Je rencontrais beaucoup de gens. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Par un papier qui faisait quand même 12 000 signes sur un blog du Monde. Et ensuite, cette histoire d'opticien qui m'est apparue comme un personnage de roman. Et j'ai eu envie d'écrire un texte sur lui en m'amusant un peu. Et puis, petit à petit, j'ai écrit une histoire, un début d'histoire qui ne me paraissait pas très, très bien. J'ai écrit, je pense, 50 pages que j'ai jetées. Mais j'avais quand même cette idée qui m'était restée. Puis après, j'ai fait un voyage en Croatie où j'ai rencontré... Enfin, on m'a raconté une histoire, l'histoire de la légende d'un pan. Et je ne sais pas, j'ai vu les yeux du pan, j'ai vu mon opticien à Paris. je suis partie dans une sorte de délire, un peu d'imagination, mais bizarrement, il y avait quelque chose qui m'accrochait là-dedans. Alors c'est comme ça qu'est né, parce qu'en partie, on retrouve des éléments que vous venez de donner dans ce premier roman, qui s'intitule « L'œil du pan ». Et effectivement, l'héroïne du roman, Hera, est une jeune femme qui vit sur une île de Croatie où il y a des pans. Et elle décide de venir en France, plus précisément à Paris, et plus précisément encore chez son oncle et sa tante, où elle n'est pas très bien reçue, ils ne sont pas très aimants, ni avec elle, ni avec leur fils, qui s'appelle Hugo. Et elle va même être traitée comme une domestique, vous parlez d'elle comme une jeune esclave consentante à un moment, donc pas un accueil très sympathique. Et cette jeune femme va découvrir Paris, va découvrir le monde de la mode, des apparences, un petit peu du futile, de l'artifice. Elle va rencontrer aussi Gabriel, l'instituteur d'Hugo, le petit garçon. Et le livre commence par cette phrase « C'était la mort d'un roi », une sorte de phrase de page énigmatique, « La mort d'un pan » qui s'appelle Titus. Et c'est pratiquement un début de roman, presque un conte, c'est presque « Il était une fois ». Ce oui. Début de roman. Oui, oui, j'avais l'image de la mort d'un oiseau, je trouvais ça très beau. Et en même temps, effectivement, avec un peu ces relents mythologiques qui me plaisent bien, cet oiseau qui est merveilleux, vraiment, je pense que c'est vraiment... pour les gens qui ne croient pas en Dieu, non, mais c'est vraiment, pour moi, c'est une preuve de l'existence de quelque chose, quoi. Mm-hmm. Il est incroyable, cet oiseau. Et c'est vrai que, voilà, commencer par la mort d'un oiseau aussi majestueux, je trouvais qu'il y avait quelque chose de très poétique. Et en fait, je pense qu'effectivement, je me suis inscrite au début dans une veine assez poétique et un peu de l'ordre du conte. Mais j'aimais bien en fait l'idée d'écrire un premier roman qui soit de l'imagination pure. On vit des périodes très compliquées, très violentes. Et,
Et j'aimais bien voilà, l'idée de créer un univers presque à la Amélie Poulain, qui est ça. Cette île un peu enchantée, cette malédiction au départ, qui est une vraie malédiction puisque l'île existe, c'est l'île de Lokroum qui est au large de Dubrovnik. Et c'est une île où vivent des paons. Et où, au Moyen-Âge, des moines ont habité, ils ont été chassés par des hauts dignitaires napoléoniens. Et au moment de quitter leur île, ils ont jeté un sort en faisant le tour de l'île et en tournant leurs cierges vers la terre. Donc ils ont laissé couler la cire partout. Et l'île, après ça, est restée maudite. C'est-à-dire que tous les gens qui ont habité sont morts les uns après les autres, à tel point qu'aujourd'hui, l'île est encore inhabitée. On peut la visiter, mais elle est encore inhabitée. Et les seuls habitants de l'île sont des paons. Et cette histoire, donc c'est une histoire vraie, c'est une vraie légende, mais qui a des conséquences réelles. Et j'avais envie de commencer voilà, avec une jeune fille photographe, parce qu'il y avait vraiment cette idée du regard. Je voulais vraiment un peu travailler cette question des apparences, du regard, de l'œil qui observe, de l'œil un peu voyeur. Je pense que j'étais un peu obsédée par cette question de l'image aussi, et qu'on retrouve aussi dans mon deuxième roman, bizarrement, alors que ce n'est pas du tout les mêmes thèmes. Et pour le premier, je l'ai traité de manière un peu métaphorique, comme ça, c'est une allégorie. Le deuxième, je l'ai traité un peu différemment. Vous y ajoutez la mythologie aussi, parce que quand même, des personnages qui s'appellent Héra, Titus, on les croise pas tous, Adonis. Oui, mais c'est ça, c'est que je voulais être un peu à la frontière entre l'imaginaire et la réalité. Et le fait de donner des prénoms mythologiques, on ne savait pas très bien dans quelle époque on était. Et c'était vraiment une manière pour moi de garder la structure du conte, justement. Et alors, ce qui est très intéressant dans votre premier roman, c'est qu'il y a cette confrontation entre la mythologie, bon, ce conte, et puis le réel, parce que on va rencontrer aussi l'opticien, des pharmaciens, un marchand d'art, un instituteur. On est presque dans un monde, alors je ne sais pas si ça va vous plaire, mais dans un film de Chabrol, par moment, il y a ce côté-là. Vous êtes d'accord? Ça vous va, le parallélisme? Oui, je parlais d'Amélie Poulain tout à l'heure, mais ouais. C'était un peu l'idée, c'était un peu Paris, village, mais qui est un peu le cas de certains quartiers. Moi, enfin, à l'époque, je vivais dans le 5e arrondissement, il y avait ce côté, vraiment le pharmacien, l'opticien, etc. Et puis c'est l'endroit où j'ai fait mes études, j'étais à Louis-le-Grand en Hippocagne. Donc c'était vraiment mon quartier avec sa petite vie de quartier. Et c'était un peu une spécificité du 5e arrondissement, mais que j'aimais bien. Et je me suis imaginé voilà, l'arrivée d'une jeune fille qui arrive comme ça à Paris, qui vient de son île, qui a grandi de manière un peu sauvage comme ça, qui est photographe. Qu'est-ce qu'elle cherche? Qu'est-ce qu'elle vient chercher à Paris? Son père la chasse. Donc, ouais. Voilà. Ça c'est la raison du départ. Mais parce que les oiseaux commencent à mourir et qu'il y voit un mauvais signe, lui qui a toujours pris soin des animaux de l'île, se rend compte qu'en fait, il pensait échapper à la malédiction en prenant soin des animaux. Et finalement, c'était un peu aussi un péché d'orgueil de penser qu'on est meilleur que les autres, parce qu'on fait du bien, parce qu'on est bienveillant, etc. Et il se rend compte que sa fille risque aussi sa vie, donc il la chasse. Mais ça, c'est le côté un peu conte. Et elle arrive à Paris, chez son oncle et sa tante. Qui forme un couple très bizarre, très parfait en apparence. Et ce que j'aimais justement, c'était cette illusion de la perfection qu'on a beaucoup sur les réseaux sociaux aujourd'hui. En fait, à travers ce récit qui peut paraître un peu spécial, je pense que j'avais envie de raconter un vrai sujet actuel, qui était cette question de l'apparence, et même en tirant un peu la ligne des réseaux sociaux, de ce qu'on veut bien montrer, de ces gens qui font de bonnes figures, qui ont l'air très heureux, cette vision du bonheur comme ça, très carré, très cadré. Et ce couple chez lequel elle arrive. Son oncle et sa tante. Son oncle et sa tante, c'est exactement ça. C'est un couple parfait. Tout va bien, ils font des photos de famille très belles. Et puis derrière, elle va se rendre compte de la réalité. Il y a beaucoup de personnages qui sont comme ça dans ce livre. Alors on n'en dira pas trop non plus parce que c'est pas bien. Est-ce que vous pouvez dire qu'elle réussit à conquérir Paris ou est-ce qu'elle est conquise par Paris? Elle pense. Elle pense, elle est un peu grisée par le succès. Oui, ses photos plaisent beaucoup, elle a une certaine réussite. Et puis au début, ça ne lui plaît pas trop. Et puis finalement, quand on commence à réussir à Paris, quelque chose qui se passe, elle est de plus en plus heureuse. Et finalement, en faisant ça, elle délaisse son petit cousin, pour lequel elle avait beaucoup d'affection. Elle remarque qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Et pourtant, elle le délaisse quand même parce qu'elle a beaucoup à faire. Et ça, c'est pareil, je pense que c'était une de mes autres obsessions, c'est prendre soin des gens quand on est très occupé. Je pense qu'on l'a tous un peu vécu. Parfois, on est un peu dans le rythme de la vie. On oublie d'aller voir ses parents, sa famille. Il y a des gens qu'on aimerait voir, puis on dit non, plus tard, je les verrai plus tard.
Et en fait, plus tard, parfois, c'est trop tard. C'est trop tard. Mmh. Et il ne faut pas l'oublier. Mmh. Alors, on est aussi dans un... C'est une des composantes de votre livre, il y en a plusieurs. Il y a une présence de l'art qui est permanente. L'art, tout azimut, enfin, on écoute Alain Bachung à un moment, mais on écoute Chopin aussi, et on précise que c'est la version d'Alfred Cortot. Si on va au cinéma, on va voir La femme d'à côté. La jeune femme rêve de jouer Phèdre. Il y a un marchand d'art qui s'occupe de Monet, qui s'occupe d'Artung. Quand on a un cochon d'Inde, on décide de l'appeler Gilgamesh. Un hamster. Un hamster, oui. Bon, c'est quand même pas mal comme prénom pour nom pour un cochon d'Inde. Cette vie riche artistiquement, c'est une vie privilégiée, c'est un petit milieu privilégié. Vous parliez tout à l'heure de quartiers de Paris qui font un petit peu village. C'est un village quand même très privilégié. Ah bah oui, elle se retrouve dans un milieu de culture. Mm-hmm. Mais ça a été un peu mon cas. Je suis arrivée à 17 ans à Paris. Mm-hmm. Je suis arrivée dans une prépa parisienne. Mm-hmm. Et j'ai découvert qu'effectivement, il y avait un autre monde. Mm-hmm. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire qu'avoir grandi à Paris, c'est pas la même chose que même grandir dans une banlieue pavillonnaire, même assez privilégiée, etc. C'est pas la même chose. Mm-hmm. Et je me suis rendu compte que ouais, il y avait des gens dans ma classe qui traduisaient, enfin qui comparaient les versions des textes philosophiques, les traductions allemandes, ils faisaient des comparatifs, quoi. Moi, je découvrais le texte. Donc il y avait un peu, il y avait quand même ce décalage-là. Mm-hmm. C'est que moi, j'avais de très bonnes notes, j'étais une bonne élève. Mais il n'y avait pas. Bah, le bagage culturel, même quand on a beaucoup lu, il y a des choses qui nous échappent. C'est-à-dire que moi, je ne savais même pas ce qui était. On préparait Normal Sup, en fait. Mmh. Moi, je suis arrivée en prépa en hippocagne. Je me suis tournée vers mes camarades de classe. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on prépare, en fait? Je ne savais pas. Et je ne savais pas à quoi ça servait. Je savais juste que bah, c'était super d'entrer en prépa, d'entrer en hippocagne. J'avais entendu ça. Donc j'avais passé, j'avais envoyé mon dossier, j'avais été reçue. J'étais très contente. Et puis, arrivée là-bas, je me rendais compte qu'il y avait des gens qui avaient déjà un train d'avance, qui voyaient déjà à plus long terme. Et moi, ce n'était pas mon cas. Il y a une présence aussi de l'art, d'une autre façon, et de l'art en général, par un certain nombre de références, de clins d'œil, de citations, plus ou moins décryptées d'ailleurs. Vous en laissez, c'est un peu au lecteur de trouver les siennes. Vous aimez ça, la référence exemple, plus ou moins implicite. Bah, par exemple, le tableau d'Hopper dont je parle, c'est vraiment la vision, c'est comme ça que je voyais ce couple. Donc finalement, c'est aussi une aide à la lecture. C'est-à-dire que dans les tableaux d'Hopper, il y a souvent des femmes, des gens ne communiquent pas. Oui. Il y a une distance, ils sont 3, 4, parfois 5 sur les tableaux, parfois plus. Et ils sont tous, mais ils sont tout seuls, ils sont toujours seuls. Ils ne se regardent pas même. Ils ne se regardent pas. Mmh. Et donc c'est vrai que voilà, j'avais cette image. Et donc voilà, les références culturelles servent aussi à ajouter une image à chaque fois. Les 4 chapitres, 4 saisons, pourquoi ce choix du rythme de l'année parce que je trouvais que c'était un peu comme une tragédie. Il y avait un côté tragédie grecque justement, mm-hmm. et je voulais qu'il y ait un peu des actes. Donc voilà, donc je ne suis pas dans la structure en 5 actes, je suis une structure en 4 actes, quoique il y a un prélude. Mm-hmm. Donc en fait, on est quand même sur une structure en 5 actes, et effectivement, la tragédie annoncée, c'est la mort de l'oiseau, comme toutes les tragédies grecques. On sait ce qui va arriver, on le sent, on ne sait pas d'où ça va venir, on ne sait pas pourquoi ni comment. Et ça, c'est la surprise du dernier chapitre. Que l'on ne dévoilera pas. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir mis beaucoup de vous-même dans ce livre? Vous n'êtes pas venu de l'île de Croatie, mais est-ce que vous venez d'une certaine façon de l'extérieur aussi? C'est drôle parce qu'on a l'impression toujours que un récit autobiographique, c'est un récit à la première personne, ou alors il faut parler de soi. Et moi, j'ai toujours considéré qu'il n'y avait rien de plus intime que de mettre son imagination dans un livre. Mmh. Et c'est vrai que, par exemple, les journalistes ne posent pas la question. Par exemple, sur mon premier roman, on ne me demandait pas la part autobiographique, on me l'a demandé pour le deuxième. Mmh. Alors que pour le premier, finalement, j'ai mis mon imaginaire. Donc j'ai mis quelque chose de très intime, il n'y a rien de plus intime qu'un rêve. Et donc j'ai mis beaucoup de moi, paradoxalement, même sans m'en rendre compte. Et surtout en voulant parfois éviter de parler de moi, je pense que j'ai beaucoup parlé de moi. Le deuxième est peut-être plus lié à mon histoire personnelle, mais j'ai du mal à démêler ce qui est de l'ordre de la part autobiographique ou pas dans un livre, parce que de toute façon, c'est un mélange. Je ne suis pas sûre que si demain j'écrivais un livre à la première personne, ce serait plus personnel que mon premier. En plus, un premier roman, ça dit beaucoup de choses.
Alors, on va passer au second, hein, tracer un petit peu, feuilleter quelques pages de ce premier. Le second, c'est Soleil amer, c'est donc paru en 2021, très récemment. Il ne s'agit pas d'autobiographie, vous venez de préciser, même s'il y a peut-être un lien avec la marge de l'histoire familiale. C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Saïd, qui est algérien, qui vient travailler en France, comme beaucoup sont venus travailler en France à la fin des années 50, début des années 60. Lui, il vient tout d'abord seul, il sera rejoint par sa femme, elle s'appelle Naja, ils ont trois filles déjà, et ils vont se retrouver avec le frère, cet homme qui s'appelle Kader, et de sa femme Ève. Et sa femme va donc le rejoindre, celle-ci va être enceinte, et elle va accoucher de deux jumeaux, qui vont se prénommer Daniel et Amir. Et là commence un petit peu le nœud de l'histoire. Daniel va être confié au couple des beaux-frères et belles-sœurs de Kader et d'Ève, et Amir va rester avec ses vrais parents. Voilà, rapidement, donc il y a un énorme secret de famille, parce que cette partition des deux frères va être cachée. Peut-être ma première question par rapport à ce roman, il fallait le précédent pour qu'il y ait celui-ci. Il fallait éliminer un certain nombre de thèmes, un certain nombre de choses. Je ne sais pas s'il fallait éliminer, mais je voulais pas. Je savais que si je commençais par cette histoire, que je connaissais pourtant avant d'écrire celui-ci, je savais qu'on allait me poser encore plus la question de l'autobiographie. Parce que les premiers romans sont toujours très personnels. Voilà. Et c'était un piège dans lequel je ne voulais pas tomber. Et je me suis dit, bah non, en fait, je ne veux pas me limiter à un sujet, je ne veux pas me limiter à une idée. Et je ne voulais pas tomber là-dedans. Et donc, le fait de passer par un texte d'imagination pure, quelque part, ça légitimait aussi le deuxième. Enfin, pour moi, c'était ça. C'était de me dire, je vais pas commencer par une histoire qui semble être trop personnelle, parce que sinon, on va m'assigner à un genre particulier. Là, ils sont très différents, et en fait, ça me libère totalement. C'est-à-dire que le prochain, il sera encore différent, et après tout, j'ai le droit. Non seulement un genre personnel qui serait l'autobiographie, mais aussi un pays qui est l'Algérie. Non, mais voilà, exactement. C'est ça aussi, c'était ouais, l'étiquette. C'est le pays de mes origines. Mm-hmm. Commencer par mes origines, ça aurait donné le sentiment un peu, voilà, moi. Et en fait, c'était pas ce que j'avais envie de faire. J'avais vraiment envie de faire de la littérature, y compris avec ce livre-là, parce que ce qui m'intéressait, c'était aussi l'histoire des jumeaux, cette séparation, ce trouble identitaire, comme on grandit, la part d'inné, la part d'acquis, entre frères et sœurs. Et ça, peu importe d'où on vient, et aussi le déracinement, la douleur du déracinement, cette douleur qui est la même qu'on soit immigré polonais, portugais, espagnol, italien. Et en fait, effectivement, je voulais parler d'une période charnière dont on parle quasiment jamais, ces années 60, 70, 80, parce qu'on parle toujours de la banlieue un petit peu après. Et donc voilà, mais j'avais envie d'en faire un roman. Je ne voulais pas en faire un essai sociologique, je ne voulais pas raconter mon histoire. D'ailleurs, c'est des périodes que je n'ai pas connues, les années 60, 70, 80. Donc je parle d'un temps que je n'ai pas connu. C'est formidable justement d'avoir le regard d'une autre génération sur le passé aussi, de pouvoir faire ce travail-là avec un peu de recul. En même temps, vous parlez de l'Algérie, du pays des grands-parents. Quel lien vous avez entretenu avec ce pays dans votre enfance, votre adolescence? C'est quelque chose qui était un pays, oui, vaguement, celui des grands-parents. C'est un pays que vous avez fréquenté, c'est un pays qu'on vous a raconté, ou c'est un pays qu'on vous a tué? J'y suis allée quelques fois. Ce qui est fou, c'est que je ne pensais pas avoir d'attachement particulier, c'est-à-dire que mes parents sont beaucoup plus attachés, notamment mon père est beaucoup plus attaché à l'Algérie parce qu'il y a vécu. Il n'est pas né là-bas, mais il y a vécu un peu, en tout cas une bonne partie de son enfance. Et donc voilà, lui m'en parlait beaucoup, ma mère beaucoup moins, parce que voilà, mes deux parents sont nés en France, donc c'était pas, voilà, ils n'avaient pas le même rapport. Et puis moi, je ne parlais pas arabe. Donc en fait, j'avais un rapport qui était un rapport d'attachement parce que voilà, c'est le pays de mes origines, mais pas plus que si j'étais justement italienne. Enfin voilà, j'avais pas un rapport si proche. Et ce qui est fou, c'est que je me suis rendu compte en écrivant aussi le livre qu'en fait j'avais un vrai lien aussi avec ce pays, mais qui était totalement inconscient et je n'avais pas mesuré la portée et l'importance. C'est-à-dire que j'avais oublié quelque chose de fondamental qui est que mes parents, ayant eux-mêmes des parents qui sont nés là-bas, ont fondamentalement quelque chose de ce pays,
et que moi j'ai été élevée par mes parents. Donc en fait, on oublie toujours ça, que même un secret, le secret d'un grand-père ou d'un arrière-grand-père, c'est un secret qui se transmet. Parce que par définition, un non-dit, ça a des conséquences dans la relation mère-fille ou père-fils. Voilà. Donc c'est des choses qui se transmettent de manière très petite. Mais il y a des choses qu'on garde et c'est vraiment ce dont je me suis rendu compte en écrivant, c'est qu'il y a il y a quelque chose qui reste dans les questions et peut-être dans mes obsessions littéraires, sans même que j'en mesure l'importance, il y a quelque chose dans l'inconscient en tout cas qui demeure. Dans l'environnement artistique, par exemple, la musique du Maghreb, c'est une musique que vous fréquentez, la littérature des auteurs algériens, littérature bah, pas plus que italien ou... Non, pas plus que ça. Et en fait, c'est ce que je trouve formidable. Mmh. C'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est pour le coup dans mon inconscient que j'ai exploré là. Et je me suis rendu compte de l'importance. C'est-à-dire que je termine mon livre à la première personne, donc quelque chose de beaucoup plus personnel, que finalement j'étais peut-être allée chercher sans m'en rendre compte. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre en me disant je vais raconter une histoire. Je prends ce contexte-là parce qu'il y avait des choses qui me touchaient énormément, mais je ne mesurais pas à quel point ça me touchait. C'est-à-dire qu'effectivement, quand j'entendais parler d'immigration à la télé, j'entendais parler de tout ça, je me disais, mais est-ce qu'on parle de moi? Parce que moi, j'avais le sentiment d'être, voilà, je suis intégrée, il n'y a pas de problème. Et en fait, je me disais, ben non, il y a toujours un truc. Et donc, je ne comprenais pas d'où ça venait, je ne comprenais pas pourquoi on parlait de la banlieue en ces termes-là, pourquoi c'était toujours les mêmes images dans les médias. Et en fait, ça me terrorisait de me dire, oui, en fait, dès qu'on parle de ces sujets-là, c'est pour tendre les gens, c'est pour... voilà. Et alors que la réalité, c'est qu'il y a eu un âge d'or de ces sites HLM, qu'il y a eu des années 60, 70, où ça s'est très bien passé quand même, où il y avait une mixité sociale, une mixité ethnique, où justement, on s'en fichait un peu de savoir d'où on venait. C'était un progrès, c'était un problème matériel énorme à ce moment-là. C'est ça, et puis la seule question, c'est est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que, voilà, je m'entends bien avec vous? Et la question des origines venait apporter quelque chose en plus. Donc elle était présente, mais c'était pas, y compris même le fait religieux, c'était pas central. Et aujourd'hui, on est défini tellement par nos identités, femmes, hommes, notre âge, notre origine ethnique, etc., que finalement, on n'appuie que sur les différences et pas du tout sur ce qui nous rassemble. C'est vrai que j'ai découvert que ça ne s'était pas toujours passé comme ça. Enfin, pour le coup, moi, je le savais parce que j'en avais beaucoup parlé avec mes parents. J'ai vu que les années 60... J'ai compris aussi pourquoi les choses avaient évolué et pourquoi ça s'était dégradé et pourquoi il y avait eu un repli aussi identitaire qui a été porté aussi par les politiques, beaucoup. Tout à l'heure, vous disiez, bon, finalement, l'Algérie, c'est comme si je venais du Portugal, de l'Italie. Non, c'est pas comme si je... Pas tout à fait. C'est pas ça. Ouais. C'est pas comme si je venais du Portugal, de l'Italie, parce qu'effectivement, l'Algérie, c'est particulier. Ouais. La relation à la France est très particulière. Mmh. En revanche, moi, dans mon rapport à l'Algérie, j'avais pas de... Voilà, je ne me disais pas, je suis d'origine algérienne, donc ça a telle conséquence. Moi, j'ai été élevée comme n'importe quel enfant français. Donc, j'avais pas... Mais avec ce discours de mon père qui m'en parlait. Donc, j'avais un lien, mais pas un lien... Parce que dans ce livre, vous revisitez aussi la grande histoire, parce que la guerre d'Algérie est là, elle est présente. Octobre 61, la manifestation qui s'est... terminé dans le sang pour beaucoup, c'est quand même des événements qui sont là et vous tenez à les rappeler, à les mentionner. Exactement, moi ce qui m'intéressait c'était la France, c'est-à-dire que parler de l'Algérie, je ne suis pas légitime pour le faire, il y a de très bons auteurs algériens qui le feront mieux que moi, et je pense que d'ailleurs même par respect pour les Algériens, moi je serais très mal placée. Pas légitime, vous Non, en fait. Non, d'accord. Non. Mais d'ailleurs, c'est un peu ce dont je parle dans le livre. Oui, c'est qu'à un moment, il y a des immigrés à qui on dit vous n'êtes pas chez vous en France, et puis vous en Algérie, ils ne sont pas chez eux non plus. En fait. Donc ça explique aussi beaucoup de choses. Moi, en l'occurrence, je suis française, je suis née en France, mes parents sont nés en France, j'ai mes origines, et la preuve que ça m'intéresse, c'est que j'ai traité aussi tout ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement cette question identitaire aussi, et la France. Et comment ces immigrés sont arrivés, avec quels espoirs, les désillusions qu'ils ont traversées aussi au fur et à mesure du temps, la manière dont ça a été géré. Et en fait, c'est une histoire de France, c'est un morceau d'histoire de France dont je parle. Et c'est pour ça que quand on parle d'immigration, on a l'impression qu'on parle de l'Algérie. Non, moi, j'ai voulu parler de la France, en fait, parce que c'est un sujet français qui concerne la France, les Français. Et c'est des jeunes qui sont nés en France pour la plupart. Enfin, en tout cas, ceux dont je parle dans le livre sont nés en France, les deux jumeaux. Et les tragédies qu'ils vont connaître, en tout cas
les drames qu'ils vont vivre, c'est les drames français. Vous faites le portrait aussi de cette génération qui est une génération à la fois soumise et dépendante, que ce soit les hommes et les femmes. L'homme par le travail, parce que finalement l'émigration c'est une sorte de leurre. Ils ont espéré beaucoup, on leur a fait miroiter des choses extraordinaires, et puis au bout du compte, bon, c'est pas terrible. Donc souvent ils dérivent, lui il va dériver dans l'alcool en particulier. Pour les femmes c'est autre chose, c'est une soumission à l'homme, c'est une soumission à la culture, c'est une soumission économique, linguistique aussi, enfin il y a tout ça. Vous avez aussi envie de dire tout ça, enfin toute cette génération-là, que vous n'avez évidemment pas connu, mais que vous avez à cœur de transmettre. J'avais pas envie d'être manichéenne et de dire c'est tout blanc, c'est tout noir. En fait, cet homme qui est violent, ça peut paraître être un cliché, mais en fait, j'explique assez bien pourquoi. C'est-à-dire que c'est des hommes qu'on est allé chercher, puisque il y a cette immigration de travail qui n'est pas une immigration qui est venue d'elle-même, et ça faut aussi le dire, parce que c'est une réalité. D'ailleurs, Mitterrand en parle dans un discours de 88. Il dit ces immigrés qu'on est allé chercher par charter, et il en parle pour dire qu'il faut qu'ils rentrent chez eux d'ailleurs. Donc venant de Mitterrand, c'est vrai que c'est toujours très surprenant, mais c'est, voilà, bon. Et donc voilà, c'est des gens qu'on est allé chercher, effectivement. Et là, Saïd, je parle de Saïd, donc ce personnage qui était berger, et qu'on est allé recruter pour travailler dans une usine automobile. Et on l'a sélectionné sur des critères physiques, parce que c'était un homme qui travaillait la terre, qui était berger, etc. Donc il avait, c'était un jeune homme robuste, et on avait besoin de ces jeunes hommes pour faire un peu les tâches difficiles en France et dans les usines. Et donc lui, on est allé le chercher. Et effectivement, ces hommes, quand ils sont arrivés en France, au début, il n'était pas question de faire venir les familles, etc. Donc, c'est des hommes qui sont arrivés seuls, qu'on est venu chercher, qui sont arrivés seuls dans les usines et qui ont vécu qui étaient logés dans des foyers pour travailleurs. Donc, ils étaient 6 ou 7 à chaque fois entassés dans des baraques et à travailler toute la journée. Et le soir, les seules distractions, c'était de boire. Ils étaient entre hommes tout le temps. En fait, il n'y avait aucun lien avec leur famille, avec les femmes. Ils ne pouvaient pas trop sortir parce que c'était très mal vu quand même, des hommes maghrébins seuls, etc. Donc ils ont été isolés, enfermés entre hommes pendant des mois, des années. Et c'est les hommes qui ont développé des addictions au fur et à mesure. Parfois des vies. Et des comportements violents, parce que le manque, parce que la frustration. Beaucoup de frustration, beaucoup de travail, beaucoup de fatigue. Et quand les femmes sont venues, et ce n'était pas pour des raisons... on parle du regroupement familial toujours comme si on était tous très très généreux, on a fait venir les femmes, les enfants. C'était aussi pour cadrer ces hommes-là. C'était aussi parce qu'il fallait... on voyait bien que ça avait des conséquences sur eux et que cette main-d'œuvre à bas coût n'allait pas tenir longtemps que dans ces conditions-là. Donc faire venir les femmes, c'était aussi une manière d'encadrer les maris, c'était aussi une manière d'installer les hommes sur place. Donc ça a été quelque chose de très bien pensé, en fait, à ce moment-là. Et ces femmes sont arrivées, effectivement, ce que je raconte, Naja arrive. Elle ne reconnaît plus son mari, qui a énormément changé, qui est effectivement devenu à moitié alcoolique et qui est donc devenu violent. Et donc, non seulement il a importé ces traditions où, effectivement, dans ces années-là, l'homme musulman, il avait quelque chose de beaucoup plus... la femme était beaucoup plus soumise à l'homme, etc. Donc, il est venu avec ça, mais en plus, il n'avait aucune possibilité, en arrivant en France, d'évoluer, parce qu'ils étaient entre eux, ils n'avaient pas d'accès à l'éducation. Donc ça a été aussi très mal géré d'un point de vue politique, et ces femmes qui sont arrivées se sont retrouvées, ce que je raconte, les proies aussi des frustrations de leur mari. Et c'est en ce sens-là aussi que j'ai pas voulu tomber dans un manichéisme, on pourrait s'y attendre, parce que les femmes maghrébines, c'est pareil, elles arrivent au début, son mari arrive, elle est forcément un peu soumise, parce qu'il est violent, parce que tout ça, mais elle va prendre le pouvoir aussi petit à petit. C'est-à-dire que ces femmes-là, elles ont eu des maris qui, peu à peu, étaient fatigués, blessés, plus très en forme. Et au fur et à mesure du temps, elles ont pris le pouvoir aussi beaucoup. Elles ont commencé soit à aller faire les ménages, mais en tout cas, elles ont commencé à ramener de l'argent dans les familles. Elles avaient un pouvoir aussi au sein de la cité HLM, parce qu'elles se retrouvaient entre femmes. Elles ont eu accès beaucoup plus facilement à d'autres manières de voir les choses, parce qu'elles étaient en contact avec d'autres femmes, d'autres milieux sociaux, d'autres cultures. Et donc forcément, au contact d'autres cultures que la sienne, on évolue. Donc ces femmes-là ont évolué aussi plus vite grâce à tout ça. Donc cette question de la domination et de la soumission, elle est intéressante parce qu'on part d'un point, mais c'est pas du tout... c'est pas l'image qu'on en a aujourd'hui. C'est-à-dire aujourd'hui, on pense à la femme maghrébine, on voit la femme victime, soumise, etc. La vérité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus compliquée. Et c'est aussi ce que j'ai voulu montrer. C'est-à-dire que, voilà.
C'est une génération de la soumission, oui, et c'est aussi une génération du non-dit, du silence. On tait beaucoup les choses, non ? Dans beaucoup de familles, c'est le cas. Il y a beaucoup de silence. Après, effectivement, pour ces générations d'immigrés, il y a eu beaucoup de douleurs. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu la guerre d'Algérie. Il y a plusieurs couches de silence. Et forcément, à force, une couche plus une couche plus une couche, ça a complètement déstabilisé aussi tout le monde. C'est ce que reproche la génération suivante, en particulier le silence des parents, de ne pas avoir dit ou de... Oui, après, c'est souvent le cas, en fait, quand dans une famille, mais ça a été le cas pour, la Shoah, ça a été le cas pour plein de moments dans l'histoire. C'est-à-dire que on n'a pas voulu faire porter aux enfants certaines douleurs aussi, certains traumatismes. Et l'histoire de l'Algérie est pleine de traumatismes. Et donc, il y a donc plein de silence aussi. Et en plus, là, j'ai ajouté un secret familial avec ses jumeaux. Donc, voilà, il y avait tout pour que ça se passe mal en soi. La génération suivante, c'est aussi celle qui ressent peut-être le plus ce mal-être d'être entre deux et d'être toujours dans l'ailleurs, finalement. En Algérie, on leur dit « vous êtes français », en France, on leur dit « vous êtes algérien ». Ça n'a pas changé, mais c'est déjà très vrai pour cette génération-là. Ah oui, bien sûr. Moi, je suis la troisième génération, donc je ne ressens pas... Voilà, je ne ressens pas ça, parce que ça y est. Et je pense qu'avec le temps, les choses vont évoluer aussi. C'est pour ça que ce n'est pas un livre noir, ce n'est pas un livre pessimiste. C'est que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure du temps, les choses sont en train de les choses se règlent. En tout cas, ces questions-là sont en train de s'arranger quand même. Je ne pense pas que mes enfants, pour eux, voilà, il n'y aura pas de questions. Enfin, sans doute pas de questions, mais aussi parce qu'il y a de plus en plus de métissage, il y a de plus en plus de mélange. C'est aussi ça le temps, c'est que l'immigration algérienne, c'est une immigration qui est quand même récente. Et ça, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que parfois, on parle de l'immigration polonaise, on dit « oui, mais ça s'est bien passé pour eux », etc. Oui, mais alors, c'est un contexte économique différent. Il se trouve que l'immigration algérienne a été frappée par le chômage assez vite. Il y a quand même eu les années 70-80, avec les crises pétrolières, etc. Donc, il y a eu ça. Et puis, c'est une immigration qui est plus récente. Donc, c'est toujours pareil. Il faut laisser le temps de s'intégrer. Il se trouve que l'erreur qui a été faite, c'est ces fameuses cités HLM, où là, on a condensé les problèmes, on a mis les gens dans le même endroit, qui avaient des conditions de vie difficiles et puis des revenus bas. Donc, c'est des gens qui avaient des situations sociales compliquées, qui venaient d'ailleurs, qu'on a mis au même endroit. Là-dessus, il y a eu le chômage, il y a eu la crise de l'emploi. Et donc, toutes les conditions étaient réunies pour que cette jeunesse qui était née dans les années 60, qui arrivait à l'adolescence dans les années 80, ils ont tous grandi au même moment. Ils avaient tous 18-20 ans, donc, et forcément même pour des personnes, il y a un documentaire qui est génial, c'est pas un documentaire, c'est un reportage de TF1 qui date de l'année 82 je crois, qui s'appelle La vie au Canibou à Nanterre, et c'est un reportage de TF1 qui dure une heure, à l'époque où TF1 faisait des reportages d'une heure en banlieue, et ils ont choisi exprès d'ailleurs une cité qui était la cité, parce qu'il commençait à avoir des émeutes à ce moment-là, et le journaliste le dit très vite, il dit on a choisi une cité qui n'était pas la pire. Ils ont vraiment fait une sorte de casting pour ne pas être dans le sensationnalisme. Ils ont voulu vraiment montrer une cité représentative. Et ce qu'on voit dans ce reportage, c'est assez frappant. C'est-à-dire qu'il y a des personnes âgées qui sont là et qui ont vu grandir des enfants, mais très vite, donc en 18 ans. Et ils se retrouvent entourés d'adolescents de 18-20 ans qui ne travaillent pas, qui sont tous au chômage. Et donc, ils ont très peur parce qu'ils se disent, ces jeunes-là qui n'ont pas d'argent de poche, qui ne peuvent pas sortir, qui sont entassés dans le même endroit, qui n'ont pas de perspective, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Et ils se rendent compte que les jeunes, ils volent les mobilettes, ils font des cambriolages, et parce qu'il y a une sorte de désœuvrement qui est à l'œuvre. Et donc, on voit bien dans ce reportage à quel point c'était déjà quasiment foutu, c'est-à-dire que ces personnes âgées, avec une envie, c'était de partir. Donc, très vite, la mixité ethnique, il n'y en avait plus, les gens des classes moyennes, d'origine française, portugaise, etc., les cheminots, très vite sont partis, ils ont laissé des gens avec les mêmes caractéristiques ethniques au même endroit. Et il y a un des jeunes qui est extrêmement touchant dans ce reportage, parce qu'on ne se rend pas compte, mais une cité HLM, c'est aussi beaucoup de bruit. Et en fait, il a grandi toute sa vie avec le bruit des chiens, c'est-à-dire que les gens plus âgés, pour se protéger, ont acheté des chiens. Le problème, c'est que c'est en permanence des aboiements, c'est le bruit parfois des voies ferrées. Et puis lui, il donne une interview au journaliste, il est devant sa fenêtre, et qu'est-ce qu'il voit de sa fenêtre? Un cimetière. Et en fait, on se dit, mais on est en 82, on voit que déjà la cité HLM est en train de tomber en ruine, que les boîtes aux lettres sont complètement cassées, qu'il y a un bruit épouvantable. Lui, il s'exprime très bien, parce que
mine de rien, l'école, dans les années 70, il y avait encore cette, justement ce mélange. Il y avait encore des enseignants qui étaient là. Enfin, voilà, ça a aussi évolué. Mais on voit, on est en 82, on se dit, bon, ça va être catastrophique. Et en fait, la catastrophe, c'est la drogue qui est arrivée dans les années 80. Épidémie de drogue, épidémie de sida, une épidémie complètement cachée qui a fait des ravages. Et puis après, voilà, après, il y a eu d'autres drogues. Il y a eu la religion qui est venue par-dessus, qui était une autre forme de drogue. Mais il y avait déjà tous les ingrédients pour que ça se passe mal. Et ce qui est fou, c'est qu'à ce moment-là, rien n'a été fait. On est en 2022, vous avez 30 ans. Vous êtes assigné quoi, finalement, avec ce livre? Dites, moi, j'ai le droit de m'intéresser à cette époque-là, parce que pour comprendre aujourd'hui, il faut s'intéresser au passé. Je crois. Et il faut transmettre ça. Oui, je crois. En fait, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un morceau d'histoire de France que personne ne connaît. Parler des cités HLM, en fait, associer une cité HLM des années 60-70 avec des jeunes filles qui étaient à l'époque en petite mini-jupe, avec les gardiens d'immeubles, avec des petits gilets. En fait, oui, c'est des foires où il y avait Vraiment, c'était vraiment les foires à la Boris Vian, quoi, avec toutes les nouveautés, de l'électroménager, etc. C'était ça, la banlieue HLM, ça a été ça aussi. Et c'est vrai que c'est une image qu'on n'arrive pas, quand on pense banlieue, on ne pense pas à ça. Et je trouvais hyper intéressant de montrer comment, par des petites choses, en racontant une histoire romanesque, évidemment, je voulais garder la beauté de la poésie, et je voulais surtout montrer le côté ensoleillé de cette histoire, et comment petit à petit, c'est devenu une histoire en noir et blanc, c'est-à-dire que les années 80, c'est vraiment la cité HLM en noir et blanc. Alors qu'on a vécu les années 60, 70, et que c'était une belle utopie, et qu'il y avait une belle idée derrière. On en a quand même parlé en littérature de cette période. Vous avez des grands aînés qui sont aujourd'hui des hommes d'âge mûr, et je pense à Azouz Begag, à Mehdi Charef, à Kitadjé. Enfin... Oui, mais ils en ont parlé de leur point de vue. Oui, c'est ça, oui. Ils en ont parlé de leur point de vue à l'intérieur. Et moi, je trouvais pour le coup intéressant, en étant. Moi, je suis une fille de la troisième génération, d'avoir ce recul et de raconter les années 60, 70, 80 avec. Justement, en rassemblant toutes ces années aussi. Azouz Begag, il est souvent sur un moment, ouais. Voilà. Un lieu très précis, le bon du Shabbat. Exactement. Ouais, c'est Lyon, c'est la banlieue de Lyon, oui, bien sûr. Et où il se raconte, où il raconte des anecdotes familiales, etc. Moi, j'avais vraiment envie de brasser, d'en faire une saga familiale, de brasser plein d'années pour voir l'évolution, justement, et de voir l'évolution aussi de l'urbanisme. Donc, c'était un peu, la démarche était un peu différente, avec moins de dialogue. Enfin, en fait, on n'a pas le même... Pour vous, ça a été une lecture obligée, ces auteurs-là, ou pas plus que d'autres? Je les ai lus. Ouais. Donc, je dis obligé par rapport au livre, est-ce que vous avez... C'est drôle parce que... la lecture de ce livre, on m'a presque pas reproché, mais on m'a dit un jour on m'a dit c'est trop bien écrit. Non mais parce que il y a pire comme critique. Parce que il y a cet inconscient aussi un peu collectif de si on écrit sur la banlieue, il faut avoir un langage de banlieue, il faut jouer avec ses mots, il faut mettre beaucoup de mots en arabe, il faut. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi la littérature n'aurait pas sa place aussi pour parler de la banlieue, pour parler des cités. On a le droit d'en parler dans un bon français, en fait. Et c'est fou parce qu'il y a quand même il y a un peu ce préjugé, quand même. Comment vous avez procédé, alors, vous, pour écrire? Vous avez documents, vous avez enquêté, des témoignages. La famille vous a été utile, vous êtes allé les interviewer, les poser des questions. Comment vous avez fait? Le point de départ, c'est cette histoire de don d'enfant. Donc, cette femme qui est enceinte, qui arrive en France, qui pense arriver dans un Eldorado, et puis qui se rend compte très vite que ce qu'elle avait imaginé est loin de la réalité, qui tombe enceinte. elle rencontre sa belle-sœur qui est française, puisque le frère de son mari a épousé une Française, ça arrivait aussi à l'époque. Les deux femmes s'entendent très bien. C'est vraiment une autre façon de vivre. Et puis, Naja tombe enceinte une nouvelle fois, elle a déjà trois enfants, elle ne peut pas garder l'enfant parce que c'est compliqué. Mais bon, elle était plutôt pour le garder, mais c'est son mari qui lui donne l'idée, à savoir de donner l'enfant à la naissance.
Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui se faisait beaucoup dans les villages algériens. C'est-à-dire quand on avait une sœur qui parfois ne pouvait pas avoir d'enfant, il se trouve que là, Ève, donc sa belle-sœur, ne peut pas en avoir. Elle en a déjà trois, elle n'est pas dans les bonnes conditions, etc. Et donc, il y a ce projet de don d'enfant. Il se trouve que le jour de l'accouchement arrive, il n'y en a pas un, mais deux, ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, les enfants sont séparés à la naissance, c'est des jumeaux, mais des faux jumeaux à qui on va faire croire qu'ils sont cousins, et ils vont grandir comme ça, dans ce mensonge et dans ces non-dits, voilà, avec ce secret de famille. Et ce secret de famille, il a existé. En fait, cette histoire, c'est pas. Ce qui est drôle, c'est que c'est ce qui paraît le moins plausible presque de mon livre, mais c'est ce qui est le plus vrai. Voilà, c'est ces jumeaux qui ont été séparés. Et bon, cette histoire, je la connaissais depuis longtemps. C'est pas des jumeaux que je connais ni rien, mais je me disais qu'il y avait vraiment quelque chose à en faire, parce que justement il y avait cette question de la séparation entre les deux pays, ce lien entre ces deux femmes de deux cultures différentes, ce cadre de enfin, cette cité HLM, les voisines, ces femmes qui créent un monde aussi entre elles, parce qu'elles se réunissent, parce que on a cette image des femmes un peu soumises, etc. Mais en fait, c'est des femmes qui ont un vrai pouvoir et puis qui se retrouvent et qui sont drôles et qui ont une vie comme ça à l'intérieur de la cité. Donc j'avais un peu toutes ces images en tête, j'avais des conversations que j'avais eues avec ma mère qui m'avait raconté pas mal d'histoires. Et je pense que ça faisait des années que j'avais cet imaginaire. J'avais aussi entendu parler du sida, c'est-à-dire que dans l'entourage, des jeunes hommes qui avaient disparu. C'est-à-dire que voilà, sur des photos, lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Ben, il est mort du sida. Et en fait, j'entendais mort du sida tout le temps. Je me disais, mais c'est fou, ils sont quand même très très nombreux à être morts du sida. Et en fait, oui, c'était quasiment toutes les familles qui étaient touchées par la drogue, l'héroïne, parce que les jeunes désœuvrés ont commencé à se piquer dans les caves. Et puis ça a créé une épidémie de sida qui a touché aussi les jeunes filles, parce qu'elles avaient des relations avec. Voilà. Donc ça a été aussi des non-dits, parce que dans des familles musulmanes, etc., parler de ça, il fallait cacher. Donc les familles elles-mêmes cachaient. Et puis l'État a caché aussi, parce que comme la banlieue commençait un peu à s'embraser, parler en plus de la drogue et du sida par-dessus, ça allait encore plus. Donc c'est une histoire qui a été complètement tue, et qui est pourtant extrêmement grave. C'est-à-dire qu'on n'a pas les chiffres aujourd'hui, mais très sincèrement, il suffit de mettre un pied en banlieue aujourd'hui et de retrouver des gens qui ont vécu cette période, c'est vraiment très, très, c'est énorme. C'est vraiment une épidémie. Mais c'est une épidémie qui a été tuée. Et cette histoire, j'en parlais à des amis autour de moi, personne ne la connaissait. C'est-à-dire que quand on parlait de l'héroïne, quand on parlait du sida, on parlait de Freddie Mercury, on parlait d'Hervé Guibert, on parlait de tous ces gens très connus, ou des gens qui faisaient des soirées à Paris, le milieu gay parisien, etc. Mais en fait, il y avait aussi une épidémie de gens pauvres. Ça, c'est ce que vous avez trouvé. Ma question, c'était Mais en fait, ça a comment été vous tout avez ça. fait pour le trouver, ce que vous racontez là et ce que vous racontez dans votre Mais je pense que livre. j'ai agrégé tout ça, tous ces Ouais. souvenirs, toutes ces discussions, les conversations que j'entendais entre ma mère, parfois ses frères, les conversations d'amis de mes parents. Donc, en fait, j'ai été imprégnée depuis petite par toutes ces histoires. Ce qui est fou, c'est que j'ai pas fait tant de recherches. Parfois, on me dit, mais c'est fou, c'est très précis, les années 60, 70. J'ai l'impression d'avoir connu ces périodes. Alors, déjà, j'écoute beaucoup de musique des années 60, 70, 80, donc je pense que j'avais un peu cet imaginaire-là. J'avais des clips, j'avais le cinéma. Et je pense que Les c'est documentaires aussi, vous les parlez d'un. documentaires, les reportages. J'ai vu beaucoup d'archives, beaucoup d'images d'archives. Et en fait, à force de voir beaucoup de choses, bah, on se rend compte assez bien Et les des témoignages réalités. directs, vous en avez eu, vous en avez recueilli beaucoup, vous avez souhaité, vous avez posé des Non, questions à j'ai pas certains. voulu. Non, vous êtes resté. Justement, je voulais pas que ce soit un documentaire. Je voulais rester sur une histoire. Je voulais qu'on puisse rencontrer les personnages au début, les suivre au fur et à mesure, et s'emparer de cette histoire. Et je voulais rester vraiment sur ces deux frères, sur cette cité HLM, garder comme si on avait une caméra posée devant la cité. Et puis, s'il y a des personnages qui partent, et ben ils partent, on ne les voit plus. Et voilà, je voulais vraiment garder un axe littéraire. J'ai pas voulu en faire un récit sociologique ou un essai. Et je pense que d'ailleurs, c'est la grande différence avec le journalisme. C'est que justement, je me suis attachée aux sentiments, aux sensations. Et c'est ce qu'il y a de plus fort, je trouve, en C'est livre. ma question suivante. Est-ce que la journaliste que vous êtes, elle a aidé l'écrivaine ou est-ce que ça, au contraire, ça l'a gênée de temps en temps? Comment les deux personnalités cohabitent? Non, ça m'a pas gênée. En fait, c'est pas la même manière d'écrire. Non, oui. Mais ça, il faut se défaire de l'une pour. Mais justement, moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est les sentiments, c'est l'évolution des choses, c'est justement de raconter comment une cité HLM va tomber en décrépitude.
c'est cette évolution-là. Et je trouve que s'intéresser au vocabulaire, à l'imaginaire, aux couleurs qu'on met, c'est un exercice qui est plus proche de la peinture que du journalisme. et donc j'avais ce regard, même un peu cinématographique, mais j'ai vraiment, c'est un travail de composition. De me dire, voilà, comment je vois les années 60 à cette période-là. Si je raconte l'Algérie de Djemila, moi de Djemila, j'ai vu beaucoup de photos, j'étais allée à Tipaza. Donc je vois, je connais le climat quand même de l'Algérie, hein, et puis on en a parlé. Et puis après, je regardais des photos, et en fait, et après, c'est beaucoup de ressenti. Je pense qu'il y a des choses qu'on a en soi, dehors de l'inconscient, qui travaillent énormément. Et j'avais l'impression qu'en faisant confiance aussi à ce que j'avais au fond de moi, ça allait très vite, et c'est ce qui s'est passé. J'ai écrit très très vite ce livre. Alors que c'est un livre qui peut demander beaucoup de recherche, puisque c'est des années 60, 70, 80, il faut des détails, il faut pouvoir parler justement de cette foire. La foire, par exemple, j'ai vu des images d'archives d'une vraie foire. Puis ça m'a amusé parce que le réfrigérateur à plateau tournant, personne ne sait ce que c'est, mais c'était une super invention. Ils étaient persuadés que ça allait vraiment changer la vie des gens. Et donc il y a des choses là qui m'ont fait rire et qui marquent une époque. Et donc voilà, je ne voulais pas que ce soit lourd, donc il ne fallait pas trop en mettre. Et donc voilà, et puis après c'est vraiment un truc de dosage, c'est tel personnage, bon je l'ai un peu oublié, je vais remettre, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Mais c'est pas du tout la même chose que le journalisme, c'est-à-dire j'ai jamais, à aucun moment je me suis dit je vais raconter ça parce qu'il faut que je délivre un message. Et ça je trouve que c'est affreux, littérature c'est pas... On peut être dans une forme de littérature engagée, ce qui est un peu le cas là, sans le dire comme ça, très clairement. Oui, sans didactisme pesant. Voilà, sans didactisme. Ce qui est loin d'être votre cas. Le thème de la gémellité, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, moi c'est un peu au cœur de l'intrigue, mais vous auriez pu tourner les choses autrement. Le choix de la gémellité, là, ça peut vous ramener à la mythologie, on en parlait tout à l'heure, il y a des jumeaux célèbres, bon, mais il y en a aussi dans la littérature, ça aussi, c'est ce thème de la gémellité, pourquoi, comment? Je pense que c'est drôle parce que je n'avais pas forcément fait le lien avec la littérature. C'est vrai que, par exemple, dans La Petite Fadette, ses deux frères, ses deux jumeaux aussi. Après, chez Maupassant, ce n'est pas des jumeaux, mais c'est des frères. Je pense qu'effectivement, j'avais aussi ce bagage. Mais l'idée des jumeaux, c'est surtout que, déjà, l'histoire, elle est assez incroyable quand on en entend parler. Dans ce contexte-là, je l'ai vu aussi tout le potentiel romanesque. C'est-à-dire que moi, j'avais l'histoire vraie en tête de ses frères. À quel point un secret de famille, ça peut bousiller une famille. Donc, je savais ça. Et je voyais à quel point aussi ces jumeaux étaient aussi la représentation d'autre chose, le symbole d'autre chose. Cette séparation, justement, ce que je disais tout à l'heure, entre la France et l'Algérie, ces ruptures familiales, ce qu'on garde de son éducation, ce qu'on a de manière innée en nous. Ça explorait beaucoup de choses, la question de la transmission. Il y avait beaucoup de thèmes qui m'intéressaient. Tout à l'heure, on parlait des apparences, mais il y a aussi cet effet miroir avec les jumeaux. Donc voilà, je pense qu'il y avait beaucoup d'obsessions inconscientes. Et c'est vrai que quand, en général, un bon point de départ de roman, c'est une obsession. C'est qu'il y a quelque chose, et parfois, on ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi, pour le prochain, c'est un peu le cas. C'est un truc qui m'a frappé, que j'ai pris avec humour. Et puis, je ne sais pas pourquoi, j'arrêtais pas d'y penser. J'y pensais, je me disais, mais pourquoi ce truc qui est anodin, enfin qui peut paraître anodin, pourquoi ça t'obsède? Et en fait, à un moment, j'ai compris pourquoi. Et c'est point de départ de mon prochain livre. Mais c'est, en fait, c'est ni plus ni moins que ça. C'est un détail, parfois, qui résonne avec quelque chose de son imagination, de son histoire personnelle. Je n'ai pas de sœur jumelle. Mais voilà, et puis après, il y a des histoires. Enfin, voilà, moi, j'ai rencontré des jumeaux dans ma vie. Et je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses. Comment c'est construit ce livre d'un point de vue de l'écriture? Vous saviez très bien où vous alliez dès le point de départ? Pas du tout. Alors c'est la première phrase et la vraie première phrase. Comment ça s'est fait? Oui, la première phrase et la vraie première phrase, j'ai écrit de manière chronologique, comme pour le premier, parce que j'aime bien l'idée de me laisser surprendre. En fait, je me dis si je ne connais pas la suite d'un roman, le lecteur ne la connaîtra pas non plus. Donc en fait, c'est un peu un jeu que... Donc les jumeaux sont arrivés en cours de route? Non, j'avais les jumeaux au départ. Voilà, c'était mon point de départ. Je ne savais pas du tout où ils allaient aller. Je ne savais pas jusqu'où j'irais en termes de date. Je ne savais pas combien de temps ça allait me prendre pour l'écrire. Je ne savais rien. Et en même temps, c'est ce qui m'excite aussi quand on écrit. Et c'est vraiment ça, c'est de me dire si tel événement est imprévisible, parce que moi-même, je ne m'y attendais pas, c'est que le lecteur sera surpris. Donc, c'est bon signe. Et puis, en même temps, je ne m'ennuie pas en écrivant.
parce que j'ai pas fait de plan avant. Et je trouve que, en tout cas dans mon cas, ça m'ennuierait d'avoir un plan avec tout déjà préparé, tout déjà écrit, et de me dire, bon, bah allez, je fais le chapitre 3 demain, je m'y colle, je vais faire des recherches. Je trouverais ça triste, en fait. J'aime bien me dire, j'ai écrit deux chapitres, et puis il y a une nécessité à écrire le troisième, parce que ce personnage, je sens que j'ai pas assez poussé ce détail, et que j'ai eu une idée en cours de route. Et que cette idée, en fait, je vais m'engouffrer dedans, et voilà, moi j'aime l'idée de me laisser porter aussi par l'écriture. La démarche a été la même pour les deux romans ou... Non, pas la même. Non, rien à voir. Dans le processus d'écriture, oui, c'est à peu près similaire. Mm-hmm. Après, voilà, forcément, comme celui-ci, il y avait quelque chose de plus familial, de plus... j'étais un peu dans une recherche un peu plus personnelle, je pense. Plus agréable à écrire? Plus difficile? Plus douloureuse? Plus désagréable. Plus désagréable? Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui est désagréable? Dans l'écriture, ça, au moment d'écrire, ça allait. Mm-hmm. Il y a des moments où j'étais extrêmement tendue. J'étais un peu... voilà. Donc j'arrivais à me détendre. Mm-hmm. Mais je sentais que pour bien écrire, il fallait vraiment que je sois calme. Donc voilà, c'était un peu difficile parce qu'il fallait vraiment que je me trouve dans certains états, certaines dispositions psychologiques. Mmh. Et puis la fin du livre, j'étais vraiment pas bien. Parce que voilà, la première personne a surgi, je m'y attendais pas moi-même. Mmh. Et je me suis dit, mais pourquoi t'écris la première personne, ton livre, t'as la troisième personne. Mmh. Et en fait, pourquoi pas. Et je me suis dit, bon, si j'arrive là, mais c'était comme si on m'avait pris la main. Enfin, c'était très, très, très bizarre parce que... mes dernières pages, il était très très tôt le matin et j'ai eu le sentiment que c'était pas moi qui écrivais. Donc il y a des choses très très bizarres parfois quand on écrit. Et là, en l'occurrence, j'ai un souvenir très flou. C'est moi qui ai écrit, je sais. Mais j'ai un souvenir très très flou des dernières pages. C'était très bizarre. Vous aviez hésité préalablement au jeu, justement, à dire jeu? Pas du tout. Et c'est pour ça que j'étais surprise et que je me suis laissée gagner par l'émotion à la fin. Parce que je me suis dit, ah oui, en fait, tu cherches quelque chose qui a un rapport avec... Tu pensais écrire une histoire, raconter quelque chose, et en fait, tu cherches un truc qui est beaucoup plus profond. Et j'en ai pris conscience à la fin. Et le truc, vous l'avez trouvé? Ça a soulevé plein d'autres questions, comme toujours quand on écrit, en fait. On n'écrit pas pour chercher des réponses, mais j'ai compris plein de choses. Et je pense que d'ailleurs, mon prochain livre sera différent, non seulement dans le thème, etc., mais aussi dans la manière d'écrire. Parce que c'était une étape et je suis persuadée qu'il fallait que je l'écrive pour passer aussi à autre chose et pour me libérer. Je pense que dans l'écriture, voilà, de toute façon, au fur et à mesure du temps, on apprend à se dépouiller, on apprend à se libérer, on apprend à arrêter de penser à la réception. Et ça, c'est un vrai travail de l'écriture, c'est d'apprendre à moins contrôler. Le point de vue d'écriture que vous avez adopté pour Soleil amer, vous aviez éliminé le jeu J.E. Et choisissez la narration. Vous avez hésité peut-être avec de choisir le point de vue d'un personnage, d'accompagner soit l'épouse, soit l'homme, soit Saïd. Non, ça c'est pas non. En fait, j'alterne entre les points de vue. Oui, c'est pour ça, oui. Vous n'avez pas choisi de garder... Non, parce que ce que je trouvais amusant de faire parler un enfant de 10 ans à un moment, de me mettre dans la tête d'un autre personnage à un autre. Et je trouve que c'est justement cette diversité des points de vue qui enrichit le texte. C'est-à-dire qu'il n'est pas très long, il fait 160 pages, mais en même temps, il y a toute cette diversité comme ça de regard. Mmh. Et j'aime bien ça. Le titre, alors Rimbaud, les aubes sont navrantes, bon... Pourquoi ce choix de... Soleil amer, c'est quand même très beau. Ça, incontestablement, mais il y a... Et en fait, je n'ai pas trouvé de... Vraiment, je pense que Rimbaud, effectivement, c'est les eaux sont navrantes, toute lune est atroce et tout soleil amer. Mmh. Donc c'est un extrait du bateau ivre. Et je cherchais un titre. Mon titre pour mon premier roman était arrivé très très vite. Mmh. Celui-ci, je ne le trouvais pas. Et je cherchais... je cherchais le bon titre et en fait, je pensais trouver un titre plus en rapport avec la lune. Pour moi, la lune, c'était vraiment l'astre de la maternité. Et en même temps, le soleil, c'est l'Algérie aussi. J'avais cette idée un peu astrale. Et en relisant Le bateau ivre, je tombais sur Soleil amer. Et je me suis dit, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est le soleil de l'Algérie, le soleil de Camus, ce soleil qui est à la fois très beau, plein d'espoir, et en même temps déjà chargé de quelque chose de lourd. Et cette amertume, cette désillusion qui vient au fur et à mesure, cet espoir déçu. Et je trouvais que c'était très beau, cet oxymore. Je me suis dit que ce titre résume tout le livre, de manière poétique en plus, donc ce qui me tient particulièrement à cœur.
Et c'est la force de la poésie, c'est de donner une impression, une sensation, juste en entrechoquant parfois deux termes. Et il y a plein de choses qui en sortent. Et donc voilà. Vous venez de citer Camus, c'était une de mes questions. Comment vous percevez cet auteur? Il fait partie là, du Panthéon, pas plus qu'un autre, ou un petit peu plus que les autres? Ben, mon premier roman commençait par Rue Natti Pasa. Oui. C'était une citation de Natti Pasa, oui. De Camus. Et puis là, mon deuxième commence avec Djémila. Mm. Donc, je sais pas, là, je me suis mise sous le patronage de Rimbaud, mais oui. Djémila, oui. C'est aussi Camus, en fait. Yes. Oui. Nos, c'est effectivement un texte qui m'a porté et je trouve que c'est un des plus beaux textes de l'État. Un texte ou l'auteur en général Nos en particulier. Neuf. Oui. Parce qu'on a tous l'image de l'étranger, etc. Mm. Mais Nos, je trouve que justement, c'est de la poésie. Une question sur le... On l'a esquissé tout à l'heure, vous avez parlé d'un moment de personnages musulmans. La religion est peu présente parce que ce n'était pas présent à cette époque-là, beaucoup moins. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'on s'en foutait. C'était, voilà, je parle de familles juives qui côtoient les familles musulmanes, qui côtoient les familles espagnoles. C'est pas un sujet. C'était pas un sujet. La seule question, c'est est-ce qu'on s'entend bien, voilà. Et c'est vrai que c'est devenu, ça a pris une place très importante parce qu'on s'est tous renfermés dans notre petite vie. Mais en soi, la religion, c'est son rapport à, voilà, son rapport à Dieu. Donc il n'y a rien de plus personnel, il n'y a rien de plus intime, il n'y a rien de plus... c'est pour moi, justement, c'est anti-religieux que d'en parler tout le temps et de se monter les uns contre les autres. C'est l'inverse de la religion. Donc, au contraire, ce mot « religion » qui veut dire « relier », c'est devenu un motif de séparation. Et donc, c'est une contradiction dans les termes, c'est-à-dire qu'on peut être religieux de n'importe quelle religion que ce soit, si on décide d'en faire un motif de séparation ou de rejet de l'autre ou d'intolérance. C'est une contradiction dans les termes et c'est absurde. Et en fait, effectivement, on était effectivement à une autre époque où il y avait peut-être plus de domination des hommes, mais cette question de la religion était moins présente. Alors effectivement, pour les filles, il fallait quand même se marier quand on était musulmane. Mais il y avait quand même des mariages mixtes. Voilà, moi dans ma famille, il y a eu des mariages mixtes. Et on a l'impression qu'aujourd'hui, ça s'est paradoxalement détendu sur plein de choses, de tolérance, d'identité, etc. Et en même temps, ça s'est vraiment... ça s'est crispé. Des choses qui se sont crispées beaucoup plus. Les mariages mixtes sont à la fois plus nombreux et en même temps... Il y a des familles pour lesquelles c'est devenu hors de question, alors que dans les années 60-70, il y aurait eu une souplesse. Donc c'est très paradoxal. On vit une époque très paradoxale. Je voudrais vous lire une citation. Je vous dirai après d'où elle vient, mais j'aimerais avoir votre lecture. Ils ont fait en sorte qu'on ne puisse jamais établir le récit de leurs derniers jours. C'est pourquoi le texte littéraire est si important. Il vient se substituer au récit impossible, là où on ne saura jamais... La fiction est le seul recours. Et c'est une phrase d'une écrivaine argentine, Pérez Alzuelta, et à propos des femmes, des folles de mai, celles qu'on a appelées les folles de mai, qui tournent sur la place de mai à Buenos Aires pour demander ce que sont devenus leurs pères, leurs frères, et aujourd'hui leurs grands-pères et leurs arrière-grands-pères même. Cette idée de on ne saurait jamais sans... Et la fiction est le seul recours. Est-ce qu'il n'y a pas un peu quelque chose comme ça dans votre écriture? C'est ce que je disais tout à l'heure sur la poésie, mais je crois que c'est le cas de la fiction en général. C'est que c'est pour moi le plus sûr chemin vers la vérité. Mmh. Et que parfois on a envie de faire du témoignage, de se dire, voilà, mais en fait, je suis persuadée que dans l'invention, donc effectivement quand on va chercher quelque chose de très intime comme l'imaginaire, il y a des vérités beaucoup plus grandes. Et effectivement, il y a des passages de mon livre que je pensais avoir inventé. Et puis, j'ai eu des retours assez fous de gens proches qui m'ont dit « Mais attends, je t'ai jamais parlé de cette histoire. C'est fou, ça m'est arrivé. » Par exemple, je raconte la fugue de Sonia, de Nour, chez une amie à elle qui est juive. D'ailleurs, c'est pas Nour, c'est Mariam. Fugue de Mariam chez une amie à elle qui est juive. Elle fugue à un moment où elle doit être mariée. Et cette fugue dans une famille juive, donc en plus je plaisante là-dessus, etc. C'est une situation qui a existé pas très loin de moi.
mais je ne connaissais pas cette situation. Et je l'ai su après, parce que j'ai inventé cette histoire. Donc il y a quelque chose de très très bizarre, c'est-à-dire quand on vient nous trouver et qu'on nous dit « mais attends, tu sais que ça m'est arrivé, je t'en ai jamais parlé, c'est fou ». Oui, c'est fou, mais ce qui veut dire qu'il y a parfois des choses peut-être qu'on perçoit, sans prendre le temps d'analyser, mais qui restent. Et donc voilà, c'est ce que font les médiums, etc. Moi, je ne crois pas du tout à tout ça, mais je pense qu'effectivement, il y a ce côté où on perçoit des choses tout le temps, qu'on ne comprend pas le temps forcément d'analyser, et par le biais de la fiction, on recrée des parcelles de réalité, et c'est assez faux. Vous avez eu d'autres retours de lecture comme ça, d'anonymes ou de gens, lors de signatures, ouais. Plein. Et sur, notamment des passages que je pensais avoir inventés, et un peu fou, bah. Typiquement cette fugue, je me disais, bon, c'est rigolo comme situation. Bah, c'est rigolo, mais c'est vrai. Plus sur le second que sur le premier, ce type de retour. Bah, le premier, c'était compliqué de trouver un pan mort. Il n'y a pas que les pans morts. Dans non, il y avait d'autres situations, mais ouais. Bah, le premier, ce qui est... Le premier, il y a eu une fois, mais voilà, mais par rapport à une scène que je ne peux pas raconter. Mais dans celui-ci, beaucoup. Ce livre a eu une destinée, alors je sais bien qu'on est en 2021 et que ce n'est pas la meilleure année pour la circulation des livres, mais une destinée en Algérie. Vous savez ça? Est-ce que c'est parvenu? Je pense qu'il a été, il a été lu. Par, voilà, mais vous n'avez pas eu l'occasion de l'accompagner, d'y aller? Non, parce qu'avec la crise sanitaire, c'est très compliqué. Je sais qu'il y avait un salon qui était organisé. Et, voilà. Et puis en Algérie, il n'y a pas forcément beaucoup de librairies comme ici. Enfin bon, c'est plus compliqué. En fait, là, par exemple, mon livre va être publié à l'étranger. Donc il y a des adaptations. Je sais pas, non, pas d'adaptation pour les livres, mais il va être traduit. Les traductions, il va être traduit en. Les deux premières traductions qu'on m'a proposées pour le livre, c'est assez fou. C'est Israël et l'Iran. Je reçois la même semaine deux mails. Tel éditeur israélien est intéressé, tel éditeur iranien est intéressé. Et je me suis dit, bon, bah, voilà, c'est la force de la littérature, c'est que c'est les deux premières traductions. Après, après j'ai une traduction en Égypte. Donc en arabe, là récemment, donc en italien et en allemand. Et donc vraiment rien à voir. Vous nous avez parlé incidemment au cours de notre conversation, puis ça sera la dernière question, de votre prochain roman. Alors en général, je ne pose pas cette question, mais là j'ai envie de la poser parce que vous nous avez dit bah, ça sera loin de la Croatie et de la destinée de cette jeune fille, ça sera loin de l'Algérie. Alors ça sera où? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on ne peut pas le dire? Ce sera sans doute en France. Ouais. Si vous voulez rien dire, de toute façon, je ne peux pas en parler, mais sans doute un récit à la première personne. Donc, vraiment nouveau. Et on va complètement ailleurs, avec cette volonté très délibérée de ne pas se redire ou ne pas aller sur le même terrain. Oui, mais c'est toujours pareil. Les obsessions que j'avais dans mon premier et dans mon deuxième, les deux livres n'ont rien à voir déjà. Mm-hmm. Et finalement, il y a des choses qui se rejoignent. Enfin, de toute façon, je pense que, effectivement, cette question des apparences, elle sera toujours là. Mais sous d'autres formes. Merci beaucoup, Liliane, de cet échange. Alors, je voudrais préciser d'une part que pour les gens qui sont dans la salle, il y a une table de librairie qui est présente. Et puis, j'imagine que vous accepterez de dédicacer les livres. Je voudrais signaler aussi, remercier les gens qui ont accompagné cette soirée. Je pense à la technique, à Frédéric Jagu, à Flore Bénard, à Angela Louis, à Cerise Schwaller et Mohamed Sadjian. Je voudrais aussi vous signaler que dans les prochaines rencontres, nous devons faire une rencontre entre deux femmes qui sont aussi les meneuses du Parlement des femmes francophones. Je veux parler de Fawzia Zouari, qui est tunisienne, et de Sedef Esser, qui est turque. Et Sedef Esser vient de publier l'année dernière aussi son premier roman, alors que pour l'instant c'est une femme de théâtre, dramaturge, comédienne, femme de cinéma aussi. Et puis nous aurons le plaisir de recevoir à votre place deux Goncourt. Tout d'abord Emilienne Malfatto qui a eu le Goncourt du premier roman. C'est une jeune femme journaliste aussi et qui a écrit, elle, sur l'Irak, en particulier sur la destinée des femmes irakiennes. Et puis on aura le plaisir de recevoir le Goncourt de cette année, à savoir Mohamed Mougarsar, l'auteur sénégalais qui a reçu le dernier Goncourt
pour son roman La plus secrète mémoire des hommes. Alors, resté en lien avec l'Alliance française de Paris qui organisait cette rencontre, avec le soutien de l'Institut français et la Fondation des Alliances françaises, restez en lien et vous serez informé de la date de ces rencontres. Mais ça doit se passer dans les 3 mois qui viennent. Voilà. Merci beaucoup, Liliane. Merci à vous. Bonne soirée.